Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Excel VBA. Aujourd'hui, nous allons continuer donc la visio précédente où j'avais dans un input box pu rentrer le nom et surtout, dans cette vidéo formation, on faisait pour vérifier la saisie de ces caractères pour savoir si la personne avait rentré un nombre avec un nom, pardon, avec suffisamment de caractères, donc que le nom soit composé de plus de un caractère, donc ça aille de 2 lettres jusqu'à 30 lettres. On va passer à la suite. Ici, donc, toujours la personne doit rentrer maintenant son âge en C2. Et je souhaite vérifier que la personne... Alors, j'attends l'âge sous forme d'un nombre. Donc, vérifier que c'est bien un nombre qui soit rentré dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, vérifier que l'âge soit entre 18 et, par exemple, 130 ans. Pour pas que la personne me mette 2 ans ou 230 ans. Alors, je vais me rendre dans l'onglet développeur. Je vais cliquer sur Visual Basic. Et j'ai ici mon code de la dernière fois où on s'était arrêté. Donc maintenant, on va reprendre ce code et on va l'agrémenter afin tout simplement d'avoir, comme j'ai dit, la possibilité de rentrer l'âge et de vérifier tout ce qu'on a comme caractéristique. Alors, déjà, première chose, je vais rajouter des variables. J'avais qu'une variable pour stocker le nom. Donc, nous, on va faire une variable dim age as. Alors, je vais faire dans un premier temps l'erreur exprès pour que vous voyez qu'est-ce qui se passe si jamais je fais l'erreur hein, et comment je vais la corriger. Mais je vais ici mettre un âge. Alors, j'aurais pu très bien mettre que ce soit tout simplement un entier, mais je ne vais pas utiliser entier, je vais utiliser ici byte, parce que je me dis, je n'ai pas besoin d'utiliser entier, byte ça suffit, j'ai très peu de chances que quelqu'un, déjà qui dépasse les 200 ans, ça serait extraordinaire, donc c'est pas mal. Et il me faudra, comme pour le nom, une deuxième variable pour stocker l'erreur, si est-ce que l'âge est en erreur true, vrai ou faux. Donc dim. Et je mets erreur age as boolean. Donc boolean pour avoir le fameux vrai ou faux. Et comme pour voilà initialisation de la variable erreur nom, je vais marquer initialisation. Je vais changer un peu des variables erreur. Et j'avais ici erreur nom. Ben, je vais juste mettre en dessous erreur age égale vrai, flou. Et maintenant, eh bien, je vais continuer mon code à la suite donc, du nom. Alors, je pourrais bien sûr faire un copier-coller et l'adapter, mais on va dire, on va partir de 0 et on va le faire petit à petit. Alors, première chose, eh bien, tout simplement, la personne va devoir saisir son nom. Comme on avait fait questionnaire pour le nom, eh bien, une petite... Un petit donc apostrophe et je vais mettre questionnaire pour l'âge et je mets âge égale input box. J'ouvre la parenthèse, les guillemets comme c'est du texte et je vais marquer tout simplement comme pour le nom votre âge. Un point d'interrogation, je ferme les guillemets, virgule. Je vais mettre un titre à l'input box. J'ouvre les guillemets et je mets entrée un nombre entre 18 et on va dire 130 ans. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse. Je fais entrée et je vais un peu plus bas. J'ouvre l'apostrophe et je mets stockage de l'âge dans la cellule. Entrée et je fais cells. Donc on le voit déjà ici derrière. Row c'est donc la ligne. Je suis en ligne 2. Donc je mets 2. Virgule et la colonne ça n'a pas bougé. Ça sera toujours 3. Et je mets égal. J'ai oublié la parenthèse. Je ferme la parenthèse, égale âge. Voilà, j'enlève un peu
les espaces. Et je vais donc tester maintenant ce que j'ai écrit. Je fais un test. Donc le nom, je remets toujours mon nom. Super. Et je mets l'âge, 52. Si je regarde, tout s'est bien passé. Que se passerait-il maintenant si la personne fait une erreur de saisie avec, par exemple, son doigt ou qu'il a mal lu l'instruction? Donc, on va effacer 52 et je vais reprendre voilà, ma fenêtre. Je relance mon code. Je remets mon nom. Et au lieu de mettre 52, je ne fais pas entrer, hein, entrer un nombre entre 18 et 130 ans. J'ai pas, voilà, et je rentre, par exemple, 50. Je fais entrer. Et là, arrive une fenêtre. Microsoft Visual Basic, erreur d'exécution, incompatible de type. Effectivement, j'ai essayé de rentrer dans une variable dont, qui doit stocker byte, donc un nombre. Et moi, j'ai essayé de rentrer du texte. Du coup, imaginez si ça arrive à un utilisateur, il est obligé de tout fermer, relancer. Voilà, ça peut être un peu, un point bloquant d'utilisation. Donc, je vais mettre fin. Et donc, effectivement, pour éviter ça, eh bien, on va enlever byte. Et à la place, on va utiliser string. Donc tout ce qui est test, par exemple, sur des nombres, il faut penser à mettre string. Alors, c'est bien, j'ai mis string, mais du coup, ben, la personne va pouvoir effectivement rentrer du texte et ça ne fera pas d'erreur. Or, moi, je veux vérifier justement ici, maintenant, que ce qui rentre, c'est bien du numérique et que ce n'est pas du texte. Alors, on va adapter tout ça. Donc, la personne... On le questionne. Et comme pour le nom, eh ben je vais mettre, ici c'était la longueur. Donc on va dire, si ce n'est pas du numérique, donc je vais rentrer ici un test. Donc voilà, je vais dire ici test. Si c'est un nombre. Je fais entrer, je décale, et je vais dire if. Alors, il faut que je trouve une instruction pour dire si, si c'est du numérique. Donc, comment je fais pour tester si ce qui est rentré dans la variable, c'est du numérique. Donc, on va aller voir un peu sur Internet. Voilà, je vais ouvrir ici. Et je vais chercher Excel VBA. Et par exemple, je vais prendre MessageBox pour arriver directement dans les instructions. Donc, bien sûr, je vais chercher ici, voilà, le site qui me permet d'être sur Microsoft. Je ne prends pas un Excel pratique, même si c'est un très bon site ou des autres, je vais directement chez Microsoft. Voilà, donc ici, c'est les instructions comme MessageBox. Et il existe effectivement une instruction pour savoir si c'est du numérique. Donc, si jamais je cherche dans les instructions, je vais trouver ici isNumeric. Voilà, et vous voyez, c'est marqué... renvoie une valeur de type booléen qui indique si une expression peut être évaluée en tant que nombre. Donc, ce qu'il faut rentrer, c'est une expression. Donc, isNumeric, l'expression. Et l'expression, c'est soit une variante contenant, donc une variable, hein, contenant une expression numérique ou une expression numérique. Très bien. La traduction, elle est super. Et ici, isNumeric renvoie true si l'expression est reconnue en tant que nombre. Sinon, elle renvoie false. Et elle renvoie false si l'expression que la personne a rentrée est une date. Voilà. Et on voit ici des exemples, vous voyez, comme myvar est égal à 53, et on peut voir mycheck isNumeric myvar, et ça va retourner vrai. Voilà. Donc ça permet comme ça de voir, et on va utiliser cette donc, instruction. Alors, le problème c'est, si c'est du numérique, ben, je dois rien faire, il doit stocker, et sinon il devrait me mettre un message. Bien. Je pourrais très bien faire comme ça. Mais nous, on va faire un peu différemment pour, voilà, on va dire un peu raccourcir le code ou faire, voilà, voir un peu une manière différente plutôt que toujours dire si c'est numérique, alors je fais ça. Eh bien, nous, on va dire si ce n'est pas numérique, donc si ce n'est pas, comment je fais pour faire la négation de passer de si c'est à si ce n'est pas. Il suffit simplement derrière if de rajouter if not. Et ça inverse, du coup, le système du si. Donc, si ce n'est pas numérique, donc isNumeric,
et je mets mon expression âge. Alors, voilà. Et là, je vais rentrer du coup mon message d'erreur. Mon message box. J'ouvre la parenthèse. J'ouvre les guillemets. Votre âge doit être un nombre. Et puis je vais mettre, par exemple, merci de recommencer. Je ferme les guillemets. Je ferme la parenthèse et je peux marquer and if. Voilà. Je vais tenter et on va voir qu'est-ce qui se passe. Impeccable. Mon nom, ça fonctionne toujours. Je range l'âge et je vais faire exprès. Je vais marquer 50. Votre âge doit être un nombre. Merci de recommencer. Et ça s'arrête. Donc, il va falloir, comme pour le nom, créer une boucle pour que ça tourne. Tant que c'est faux, eh bien, ça tourne. Et aussi, parce que si on regarde, je n'ai pas testé que l'âge soit entre 18 et 130 ans. Donc, il va falloir un peu, je dirais quelque part, adapter tout ça. Eh bien, on y va. Donc, je vais déjà mettre un peu d'espace. Je vais créer ma boucle pour que ça boucle du coup et pas que ça sorte. Donc, boucle de test de la donnée âge. Voilà. Je vais décaler tout ça. Tout ça, je prends et je décale. Donc, je sélectionne et j'appuie avec la touche Tab pour décaler. Et je vais mettre ici, d'où. Je fais bien le questionnaire pour l'âge, donc comme pour le nom. Teste si c'est un nombre. Sinon, donc je vais rajouter ici, sinon, et on va pouvoir mettre, donc justement, pour tester après. Donc, si c'est pas du numérique, et j'enlève mon fin de if. Voilà. Else. Sinon, je vais faire maintenant le test. Test âge entre 18 et 130 ans. Et je repars donc sur un autre si if âge est inférieur à 18 ou âge est supérieur, par exemple je vais mettre 130 ans comme j'ai dit, alors eh bien j'ai à nouveau un message d'erreur. Donc, message d'erreur. Et je pourrais préciser sur la quantité. La quantité d'âge. Et là, je vais pouvoir mettre donc mon fameux message box. J'ouvre la parenthèse. J'ouvre les guillemets. Et je peux dire merci de saisir un nombre entre 18 et 130. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse. Bien. Et là, je peux marquer, donc, je reviens un peu au niveau de ce if. Sinon, je vais descendre un peu.
Sinon, eh bien là, je vais pas marquer erreur âge égale false. Donc il faut bien qu'à un certain moment, l'erreur âge est à vrai et pour l'instant, il reste toujours à vrai. Donc si il n'y a pas d'erreur, que c'est bien un numérique, que la personne a bien rentré entre 18 et 130 ans, alors je peux mettre erreur âge égale false. Du coup, je peux faire and if, le premier. Je peux faire le deuxième. Voilà. D'où, comme vous pouvez voir, le système pour savoir si j'ai bien fermé le premier, j'ai bien fermé le deuxième. And if, ferme. Et je ne dois pas oublier loop, parce que j'ai aussi le do. Donc, loop while, tant que, donc je boucle, tant que, bah, que erreur âge est égal à true. Et je fais un petit espace pour avoir un peu. Donc on voit bien ici, j'ai créé donc, il faut bien penser pour, même si c'est un numérique, c'est un nombre, je dois mettre la variable sous format de string pour éviter si l'erreur, justement, la personne rentre du texte, que ça ne bloque pas. Donc je mets string. Je mets aussi, donc il ne faut pas oublier, la variable erreur d'âge boolean. Je vais initialiser ma variable erreur. Et ensuite, pour que, tant qu'il y a des erreurs, que ça boucle, que donc si je fais une erreur, deux erreurs, trois erreurs, eh bien que je reste dans la boucle, on voit que je fais une boucle do loop while. Donc do, et je fais un, d'abord, je rentre mon texte, donc votre âge, entrez un nombre entre 18 et 130 ans, donc la personne va rentrer. Ici, je vais faire un premier test pour voir si c'est du numérique. Si c'est pas du numérique, il y a un message d'erreur. Sinon, je vérifie si c'est bien entre 18 et 130 ans. Et si c'est pas entre 18 et 130 ans, deuxième message d'erreur. Sinon, je passe la variable erreur âge à false. Et dans ce cas-là, je peux sortir. Sinon, je reboucle et je reboucle. Et quand c'est fini, je vais stocker. On va tester notre code pour voir si j'ai pas d'erreur. Donc, je mets mon nom. Je rentre mon âge, je mets 50. Votre âge doit être un nombre, merci de recommencer. Je mets maintenant 250 ans. Je fais OK. Merci de saisir un nombre entre 18 et 130. Je fais OK. Et si je mets 52, automatiquement, je ferme mon code. Vous voyez qu'il a bien saisi. Donc, il nous restera à voir dans la prochaine vidéo formation comment je fais pour rentrer l'âge, la date de naissance et tester que c'est bien un format date. Mais pour l'instant, j'ai déjà fait le nom, j'ai déjà fait l'âge sous format de nombre. Il ne restera plus que la date. Je vous remercie pour cette vidéo, d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt.